Paris, c'est Sassandra Faso, Sporting Club de Gagnois. La défense de l'UC Sassandra. Il est sorti. Il est sorti. Le doublé. Le doublé de Wantro Patrick. C'est l'attaquant qu'il faut. Et c'est lui qui va crucifier le Sporting Club des Gaillois. Il va crucifier Wantro Patrick. Oh, regardez ce nom. Il est en feu. Il est en train de champrou. Wantro Patrick, numéro 9 de Sassandra. Gardez le nom. Ce garçon est formidable. Il est juste. Il est efficace. Son démarrage est parfait. Il est dans le bon tempo. Ça vous donne ça. Ça vous donne ce but. Regardez. Accélération. Il voit le gardien est mort. Il ajuste son ballon. Ça fait but. Wantro Patrick, numéro 9 de Sassandra. Gardez ce nom. Il a aussi mis Eric Barbou en feu. Eric est en feu comme Wantro Patrick. Et qui a la passe? Qui la connexion passe, non, le passeur, devinez. Allez, devinez qui est le passeur. Devinez, on vous laisse deviner qui est le passeur encore une qui fois. Qui est le passeur? Encore absent, cette seconde minute. Ah non, non, hein. Il est carrément bouffé, un coucou, il voit pratiquement pas le ballon. Ah, le ballon est super mal donné. Le deuxième ah, c'est but super. Là, ah, c'est super. Et c'est le ah, deuxième c'est but. Super. Deuxième but de l'UC Sassandra, un but d'Aliman. Quel but de belle facture, une séquence extraordinaire et à la conclusion, Wantro Patrick, incroyable, qui vient corser l'addition. Regardez Eric Babou. On l'avait dit, ce ballon est donné. Regardez l'appel de Patrick, excellent. Et lui, crochet intérieur, le gardien est mort, il est à la vadrouille, il assure après. Regardez, ce ballon est donné, j'avais dit quoi? Un passeur. Et là, vous l'avez le passeur. Et après la finition, c'est du gâteau pour lui, le garçon. Wantro Patrick, avec beaucoup de maestria, il feinte la frappe, crochet, et puis après, tranquille. Tranquille, bonsoir. Tranquille. Le Lys de Sassandra est peut-être trop fort. Ah, c'est la formation super. Du Sporting Club des Gaillois cet super. Après-midi. Ce but est sublime. Il est sublime ce but. Il est sublime ce but. La conception, rien à dire. On a encore prophétisé. Hein. Vous noterez grâce. On a encore prophétisé. On a annoncé la couleur tout à l'heure. J'avais dit un passeur. Un passeur pour Wantro. Et là, vous l'avez le passeur. En comment? Ça a trouvé. Et je vous ai dit. Il y avait beaucoup de prophètes ici ce soir. Et de prophètes de cette équipe du Lys de Sassandra. Son dégagement est profond. Attention au rebond. Attention. Attention avec. Attention, Wantro Patrick. Le doublé. Je l'ai dit. Incroyable. Il inscrit le but le Incroyable. Plus rapide de la deuxième période. Ce garçon de 17 ans fait mal pour la deuxième fois. Oh, c'était la club d'Agamé. Malgré le remplacement au niveau d'Onco du Patrick. Qui permet au Lys de s'envoler, qui reste dans son sommeil. Il est en train de se distiller là comme la jamais. Le jeune Wantro Patrick sur ce long ballon. Regardez la mauvaise appréciation des défenseurs et le manque de communication avec le gardien, le nouvel entrant. Et on va profiter, on va dire, ce renard de surface, Wantro Patrick. Et vous l'avez dit, il a fait deux tours au village. Ben, il devrait plus souvent aller au village parce que ça lui fait du bien. Et regardez ce but d'attaquant, ce but de renard. Il a suivi le ballon des yeux, il n'a jamais relâché prise. Et c'est presque en taclant eh bien, qui vient offrir ce deuxième but au Lys de Sassandra. Quel attaquant, ce Wantro Patrick. Quel geste de buteur. Il est né pour marquer, il sait marquer des buts. Et c'est d'ailleurs la qualité que Julien Chevalier a vue en lui lorsqu'il est allé le recruter donc, du côté de Gonzagueville. Ce Wantro Patrick-là, il n'a pas besoin de ballons, de nombreux ballons. Il n'a pas besoin également des ballons. Il va suivre avec beaucoup d'attention. Ah, effectivement. Le centre au cœur de cette défense. Attention à la sortie du portier qui joue avec le feu. Et peut-être le premier but. Attention, peut-être le premier but. Oui, c'est l'homme le plus en forme en ce moment du côté du Lys de Sassandra. Président Tia Mamadou de ce Lys mène 1-0 grâce à son joueur providentiel. C'est lui qu'on a du mal à freiner. Petite erreur, grande conséquence pour le Sela. Regardez cette sortie manquée de Kouyo Arno et qui va profiter à Danada dans un premier temps et qui est là, le renard de surface, ce diable de Wantro. Je l'ai dit, c'était des joueurs de surface lancés comme ça, il est moins efficace, mais là, il est présent sur le second ballon. C'est lui qui montre beaucoup plus de détermination pour venir mettre ce pointu suffisant pour tromper, n'est-ce pas, la défense du Sela et permettre au Lys de Sassandra de mener 1-0. Ah, quel attaquant ce
joueur Wotro Patrick, âgé de 17 ans, se guérit de tous les pleux. C'est lui qui permet donc justement à sa famille, surtout à son père Wotro Mathieu Vignon, de célébrer l'Académie Mimo Sifcom. Il a été détecté par Julien Chevalier à Gonzague. Aujourd'hui, il permet à cette équipe du liste Sassandra de mener 1-0 face au Stella Club Ladia. Recherche d'un but égalisateur et c'est le Sporting Club des Gagnants. Après ce but, la killer a fait un grand bien moralement. Mais attention, les Limans sont toujours là. C'est une bonne opportunité maintenant pour égaliser. Et c'est le montant derrière, c'est l'égalisation. Égalisation. C'est 26 minutes. Regardez ce ballon en profondeur. C'est très bien mis. Il accélère tout de suite. Il va et là, il déclenche sa frappe. Elle est lourde. Le poteau renvoie et derrière, c'est lui. Sous David Villa. Il a bien suivi. C'est lui qui donne le ballon, mais il reste pas. Il suit le ballon. Cette frappe, elle est lourde. Ce ballon revient et puis après, planifié, doucement. Sécurité. Parfait. C'est parfait. Ah, quelle frappe de Patrick. C'est une frappe lourde. Une fusillade, hein. Le gardien ne pouvait rien. Regardez. S'il arrive à trouver Andé, ah, il en fait un peu trop là sur le coup. Heureusement, c'est récupéré tout de suite par les joueurs de son centre. Ah, encore un bon ballon. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça sera peut-être le plus beau but qu'on y voit cette saison. On revoit l'action. La connexion est parfaite. Vous avez un engagement à la manœuvre et devant, vous avez à la réception ce garçon, Otro Patrick. Le geste est parfait. Boum, il envoie. Et heureusement, il y a une belle réponse du gardien de Gagnois. C'est lui qui dévie ce ballon. Sinon, c'était but. Encore une fois, vous avez un attaquant, vous avez un passeur et ça vous donne ça. Boum. Heureusement, la réponse est belle. Waouh. La réponse est belle. Et c'est notre ami congolais, hein, Mongoza Ngobo, le portier du Sporting Club des Gagnois, qui va toucher. Nous allons chercher à la recadrer. Je pense que avant la fin de la première mi-temps, nous allons, dans les 30, dans la 35e minute, nous allons marquer un but. Allez, nous attendons de voir. Otro Patrick, la frappe d'Otro Patrick qui oblige le portier à la parade près du portier du Stella. Absolument, parce qu'il est libre de tout marquage. Et là, il tend, il décoche cette frappe-là qui prenait l'agression du cadre. Elle était cadrée, il est excentré et il réussit à trouver le cadre. Il faut les gants fermes de Couillot pour repousser ce missile, j'allais dire, de Wotro Patrick. Traoré. Ah, ils essaient. Quelle hein. Promptitude là. Ces joueurs-là, il n'y a pas de position irrégulière. Wotro Patrick. Wotro, le centre. Oh, et royalement. Oui, parce que l'appel de Wotro, on l'a dit, il est parfait. Il lève la tête, il regarde et c'est une douceur de passe. Hein. Malheureusement, le corps est derrière. C'est là où il n'arrive pas à rentrer véritablement dans son ballon. Andé, il laisse le corps en arrière et donc ce ballon prend de la hauteur. C'est dommage, c'est vraiment dommage. Normand à l'entente sportive de Bafing. Ouais. Dieu Koudou. Ballon pour Liman, Yacouba Silla. La faute de Ismaël. Voilà, franchement, pour cette faute. C'est une possibilité. Ah, il est passé. Ça, c'est un carton rouge. Bip, Cyril, qu'est-ce qu'il fait du bien à cette équipe de Liman? À mon avis. L'arbitre a joué des psychologies sur ce coup-là. Sinon, en tant que dernier défenseur, on aurait lui donné un carton rouge. Mais c'est bien pour le spectacle. Mais... Il est à sa deuxième saison dans cette équipe de Bafing. Alors que l'Isle de Sassandra, la première incursion dans le camp. Et peut-être le premier but, non. C'est pas terminé, c'est une possibilité pour les hommes du président. Diaz. Le numéro 11 de cette équipe de Lys, c'est bien Abissa Jaurès, celui qui marque. Regardez Amégaï Tété. Et sur ce but, regardez un peu le travail d'Orfèvre, le capitaine de cette formation, Kofi Habib Cyril. Regardez qu'on lui remet le ballon. Il prend l'information tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va s'incruster dans cette femme. On prend un passement de jambes. Et puis passe. Il envoie de l'intérieur du pied. Qui est là? Gagnois aller chercher très loin. Joueur à l'international. Côté de Congo, je pense que. Oulala, ce ballon. Oh là là, qu'est-ce que c'est extrêmement.
Regardez ce petit ballon piqué de Andé, il y a de la maestria. Et qu'est-ce qu'il fait lui? Il joue bien le coup, hein. Malheureusement pour lui, le gardien n'a pas anticipé. Sinon, il y a de l'idée, il y a de l'intelligence dans ce qu'il fait. Il essaie de lober le gardien avec un coup de tête plongé. Mais malheureusement pour lui, le gardien. Attention ce ballon, Diabaté, Diabaté Ibrahim. Et voilà, il cherche son bon pied. Il cherchait son bon pied, il faut dévier. Ça manque de précision. Ah, Wotro Patrick. Wotro Patrick continue. Il faut s'appuyer sur un coéquipier. Qu'est-ce qu'il fait, Wotro? Wotro, le retrait, corner. Il en fait un peu. Deux, ou bien un retrait. Là, il a déjà deux possibilités. Il lève la tête, mais il décide de partir. Vous voyez, sa gestuelle est lente. Hein. Ça manque de vivacité. Voici la formation de Lys, de Sassandra. La frappe! Il a tenté de tromper le portier puisqu'il est, il a tenté de se rabattre dans l'axe. Oui, c'était un. Vous voyez, et il a frappé. Libre de tout marquage. Il a un peu su se ralentir. Il est libre de tout marquage. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend l'information, il lève la tête et il shoot. Un shoot qui n'est pas assez fort quand même. C'est pas cadré, mais. Mathieu Villon. C'était lui. Assez osé quand même. Oui. Mathieu Villon, regardez. Ouais, ça passe. De la Luna Civic Game. Petite information concernant ces deux formations. 10e avec 11 points, 9e avec 11 points. C'est le rang respectif des deux formations. Ça va aller rapidement, même pas le temps de finir la tronche de cette formation. Regardez ce ballon en profondeur. Il est plus rapide, il est plus costaud. Il est premier sur le ballon. Malheureusement, il est droitier. Donc regardez, regardez comme il est obligé de se décaler pour frapper ce ballon. Ça ne lui donne pas de l'amplitude. Le balai Luc qui envoie. Alors, on revoit la faute. Vous voyez au moins, je vais dire, l'action qui amène le joueur de Lys à rester au sol. C'est la chute, hein. Il est mal tombé. Ouais. Voilà. Prendre la peau de l'ours maintenant, il faut être patient. C'est une équipe expérimentée du Sporting, vous savez, qui a joué la Coupe d'Afrique. Hein, en tout même éliminé par la 7 Mimosa. Mais on va revoir l'action. Regardez.